Salut à tous, ici Carboom, bienvenue dans ce Let's Play de Life is Strange, épisode 4. Donc, la dernière fois, ils sont enfin passé des choses, nous avons découvert nos pouvoirs de manipuler le temps sur une courte durée. Donc, non seulement ce qui est pratique, c'est que on peut. Ce qui est pratique, c'est que non seulement on peut donc revenir pour avoir des infos, on peut revenir en ayant des objets en main, on peut revenir donc pour changer des choses sur le court terme, mais on ne peut pas influer sur le long terme. Donc dans l'épisode présent, on a dénoncé Nathan pour avoir braqué un flingue sur les gens, etc. Ce que je trouve absolument crevard. Alors, hein, tiens, Brooke. Oh, je peux parler à Brooke. Hi Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Non. This legal? I'd love to. I'd love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? Nope. A weapon, right? you read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Elle veut Warren, hein? Elle veut Warren. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Donc elle love to, j'imagine. I'd love to. I love planes and non, 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 non. This is neither. Ah. Do you know what a drone? A weapon, right? You read. Donc c'est vraiment que les choix que moi je peux faire, que sur lesquels je peux revenir. Ok. Mais tiens, est-ce que son sac va m'enseigner sur quelque chose? Look. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy. What a complicated name for such a tiny drone. Okay. Ah, donc j'ai eu une info et maintenant, hop. Speak. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Et du coup? That looks like a high fly drone, model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? Parce que j'ai maté ton sac. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Ok, bon. Est-ce que je contrôle ce truc? Est-ce que je contrôle ce truc? Fais gaffe! Putain, ça vaut plus que ta scolarité ce truc. Ok. Oh, je préfère te le rendre. J'ai eu tellement peur qu'à un moment je pète le drone en fait en mode cinématique qui me dise va chier maintenant connasse. C'est... Non, je le dis en vrai, j'oserais jamais essayer de piloter un drone sans vraiment connaître et avoir la confiance de la personne qui me le prête. Hein. Et vraiment, non, j'aurais vraiment peur de le péter. Alors, c'est qui? Stella et potentiellement Taylor. Donc Stella a l'air plutôt sympa, mais... Oh, merde. Elle a l'air plutôt sympa, mais elle ne parle pas beaucoup de monde, apparemment. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I like you. He's aloof. Je sais plus ce que ça veut dire. He's aloof. He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Putain, elle est populaire, hein? Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell.
Rachel Amber absolutely had sex with him. Oh, celle qui a disparu, donc. I heard that from a good source. You knew Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Ok. Donc il y a des infos là. Exhibition panel. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Salut. Do you want to be my friend? Hello. Hello. What's your name? Don't ignore me. Non, je sais pas. Donc, donc on va voir si on peut parler. Ah, Daniel. Bon, comment ça va? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Bah décidément, c'est un nom qui sort souvent, hein. Tiens, hard to avoid it, posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. You knew her? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait, well, she was a natural. Qu'est-ce qui lui est arrivé? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Niels. C'est quoi ce nom? Bon, de toute façon, Daniel, si jamais, voilà, si jamais on a qui se disent, ouais, quand même, c'est la confiance de... That's a good posture. Good. 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 De toute façon, voilà, si jamais il tente des assauts sexuels ou autre, je sais que je peux le gifler pour le remettre en place. Hein. Il y a un mal à... Best portrait ever. Oh, sympa. Nous verrons. Hey. Justin, je crois que c'est un con. Attends. There's Justin and his skater pose. Ah non, c'est vrai, elle l'aime bien. You're so cute. Je lui parlerai plus tard. Je lui parlerai plus tard. Hey yo. Alors, ah, Miss Grant. Est-ce que je peux lui parler de Nathan? Je sais que c'est une bonne prof et qu'elle est gentille, donc peut-être qu'elle, elle me donnera plus de soutien que le principal. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Pourquoi pas? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Dorm? Blackwell Academy should be a high school, not a high security. En plus, il va se toucher sur les trucs des filles, oui. Donc, c'est singulier. Non, ça aurait pas pu aider Rachel. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Alors, Blackwell est si vieux que ça? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this Comme manipuler le temps. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Bien sûr que je vais signer, non. En fait, alors, je sens déjà qu'il y en a peut-être qui ont hurlé dans les commentaires « Non, faut laisser les caméras parce que ça peut-être dans tel moment du jeu !» Probablement. Probablement qu'avoir des caméras partout m'aidera à avoir accès à des infos
que je n'aurais pas pu avoir accès autrement, qui m'aideront à changer des choses, peut-être même à améliorer des vies. Mais à ce moment-là, je vais rester roleplay, on va dire ça comme ça. Et à mon sens, foutre des caméras dans les dortoirs et des trucs comme ça n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne idée et ça n'apportera pas de trucs bien. Et en plus de ça, même en termes de logique jeu vidéo, si moi je peux avoir accès à des infos qui me permettent de repérer, je sais pas, un tueur qui kidnappe des gosses, qu'est-ce qui me dit que lui n'aurait pas accès à ces infos-là lui-même et que ça lui faciliterait pas les choses? Et qu'il saurait exactement quand frapper grâce à ça? Parce que ça laisse quand même beaucoup d'inconnus quand tu n'as pas de caméra pour savoir ce qui se passe. Que ce que tu cherches à empêcher un crime ou à le commettre. Ok, gentil. Évidemment que. Bon, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Vu qu'elle fait signer la pétition, j'imagine que si j'avais pas été la voir, peut-être que les caméras auraient été installées. Maintenant, donne-moi cette boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caillou? C'est. Mais j'aime bien, n'empêche, la pose qu'elle fait lorsqu'elle remonte le temps, on dirait Doctor Strange quand il fait. Quand il met le truc sur son poignet, etc. Ah la vache. Donc, il y a Justin ici. Exposition panel. Look. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Ok, donc il y a que Jefferson. Là-bas, il y a. Non, je crois pas que ce soit des personnes à qui je peux parler. Hello. Wow, t'as pas changé de couleur quand je passe à côté de toi. Ah, Evan. Ah, celui qui est peut-être intéressé par machine. Alors, regardez la bonne photo. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in here. Donc Evan a l'air plutôt sympathique. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Au pif, je vais dire Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored. J'ai littéralement fait au pif. Bon, ça évite le côté embarrassant. Ça donne un peu plus d'intelligence au personnage et ça évite le côté embarrassant de. Ouais, je remonte le temps pour répondre aux bonnes questions à chaque fois. Ça va, ça sauve un peu l'honneur. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Donc, putain, mais Rachel Amber, je vais la voir partout en fait. Hein. Si on merdait à retenir son nom au début en me disant, bon, peut-être que ça va se devenir bien plus tard, de manière subtile, etc. Non, non, on te suit bien la tête avec Rachel Amber. Donc ça va, ok. C'est très sympa. Est-ce que je peux lui reparler du coup après ça? Was my favorite model here. She knew exactly what angles work best with my eye. We were close. Like brother and sister and I. Close. She understood me, never judged me. I hated her vortex club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Oh, merde. D'ailleurs, je viens de réaliser... Oui, Kate. Kate? Kate! I know you somewhere! Luke. Luke, That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Ah. Oh, bullies. Graffiti. Clever. Ça se dit quoi? Bon, Welcome to Socks. Et est-ce qu'il y a de la peinture à côté de lui? Ou c'est... Non, c'est juste un déjeuner et une petite caméra. Ok. Donc voyons voir, il est l'air tout seul. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. I don't feel like talking. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero.
Finally, karma comes to Blackwell. Ça aura des conséquences. Ah non. Bon bah ça aura aucune conséquence. Bon bah autant le dire à tout le monde, hein. Hey les mecs, devinez qui t'a un flingue. D'ailleurs, est-ce que je peux reparler à Daniel? Parce que il avait l'air de quand même un minimum connaître. Ok. On verra ça plus tard. Justin, je lui parlerai après. D'accord. Ok. Bon, bah on va parler un peu à Justin. Alors, est-ce que mon personnage va parler de manière raisonnée ou perdre un peu d'expression en s'adressant à Justin? Hey Justin! Come to thrash? Oh yeah! Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Hop! Contrôle. Non, je vais rester. Je vais pas essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Come to thrash? Attends, Allez. I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick! You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Tree flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Hi Trevor. Alors Trevor. Ah l'enfoiré. Ah le bon usage des pouvoirs temporels. Oh putain. Ah putain de merde. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, ah d'accord, c'est les photos que j'ai fait. D'accord. Oh putain, cet usage des pouvoirs temporels. Alors Justin, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? I'm stoked to see those photos framed and shit. You're not really escape Betty though. Not really. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel and Evan, her punk friend, used to love skating with us. Est-ce qu'elle a mes pouvoirs? You knew Rachel? You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. One day she just vanished. Hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Il y a des chances qu'elle ait été blessée. Donc quand tu disais des punk friends. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair. La nana dans les chiottes. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. She ran away. La nana dans les chiottes. Oh. Target acquired. You ain't with Victoria? You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Trevor, tu veux refaire un triflip? Hein? Bon, ok, repose-toi un peu. Tu en as peut-être un petit peu besoin. I feel your pain! Ici, là, j'ai tout vu. Pam. Tree? Is that a tree? Sit. Huh. I can sit on a tree. So bizarre to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. Bah, je dirais que là, tu t'es quand même bien rapproché d'un peu tout le monde, hein. Besides my journal and my camera. Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Et Brooke s'amuse dans le coin. Et donc ça reste comme ça jusqu'à ce que je me relève, d'accord.
Ok, donc pour les petites réflexions ado hein, en pleine crise, c'est s'asseoir à l'arbre. Ok. Eh, mais n'empêche, Rachel Amber, la vache, on te l'essuie bien sur le visage, hein, on te fait bien savoir. Puis c'est passé par qui n'est pas. Missing person. Attends, c'est quoi cela? I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Multitasking keeps you busy, but not the last. Donc le truc de bouddhiste. Bully much, the bullies fix your bullies. Bible study, looking for your Kate. Ah, Kate. Kate, arrête de faire des trucs qui vont t'attirer des problèmes. Je veux dire, c'est bien d'avoir une passion, etc. Mais. Et la notion de quel cercle voir, quoi. Ok, donc je dois aller. Swing pool. Ah, ok. Warning. This is where the otters perform their aquatic magic. No admittance with those faculty supervision. Ah, ok, donc on ne peut pas y rentrer sans avoir quelqu'un de l'établissement nous permettre d'y rentrer. Ok? Otter power? I'm so not there. They sure get a lot of mileage out of otter power. Le pouvoir des loutres. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Ok. Ah d'accord, je dois aller. D'accord, ok. Où est le dortoir? S'il vous plaît. Oh, très joli. Well, that's not nice. Poor little otter. Ooh, gross. At least switch to e-cigs. Ok, le coin fumette. C'est bien parce que c'est un moment vraiment posé où je peux vraiment explorer et prendre le temps de bien découvrir les trucs. Ah, c'est là-bas, là, c'est au fond le dortoir. Putain, j'ai traversé tout le campus de long en large pour cette foutue. Ah, Aiden, putain, je lui ai pas parlé. Ah, en plus, je voulais lui parler à lui. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Il a le genre de manière de parler qui du mec qui plaît à tellement de femmes. Alors, commençons par parler du Vortex Club et on va dévier sur Nathan. Vortex Club anyway. Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. Oh, des gens influents qui en ont fait partie autrefois. Hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. You know. Ah, déjà j'ai parlé de Rachel et ensuite j'ai parlé de Nathan. Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. Est-ce que Rachel avait des pouvoirs temporels elle aussi quand même? Ça m'a l'air de quelqu'un de tellement parfait et impliqué avec tellement de monde comme moi je le fais là avec le pouvoir temporel. Que je me demande s'il n'y avait pas ça à elle aussi. Et du coup, c'est pour temporel, je vais retirer assez d'ennui pour ça. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems unstable. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but
Don't we all? I don't know. Pas avec des armes. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Dana? Ah, c'est vrai qu'il est dans mon dortoir. Hello? Would you be my friend? Never mind. Hello, Pring. Je me suis un peu bouffé le drone dans la tête. Hein. J'imagine quand même Brooke qui regarde avec la caméra et d'un coup elle voit ma tronche qui arrive. Hello. Ah la vache. Hey. Hello, you're walking. I can't talk to you. No. I can't save you from yourself. Bon, bah, ça continue d'être pas mal de recherches d'infos pour l'instant. C'est un jeu excessivement calme. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dynamique en fait lorsque j'ai commencé le jeu. Du coup, j'espère que le let's play vous plaît quand même. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Donc, là-dessus, donc, je vais aller donc dans le dortoir pour récupérer la clé et enfin rencontrer Varen. Parce que la vache, depuis le temps que j'en parle dans le journal. Voilà. Donc du coup, je vous dis à plus tard, donc n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner au Discord, au Twitter, à YouTube, à Facebook. Et donc du coup, ben, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 de Life is Strange. Perso, j'aime beaucoup le jeu, je le trouve vachement sympa, et c'est sympa aussi de retenir les détails comme ça, en fait, même si le personnage le fait un peu pour nous. Donc au-delà de ça, ben, du coup, portez-vous bien, et à la prochaine fois. Ciao tout le monde!